Tout au long de cette quatrième session de la Grande Commission mixte de coopération au Burundi, République démocratique du Congo, les experts de deux pays vont formuler des recommandations et émettre des propositions, devant contribuer au renforcement des coopérations entre leurs nations dans plusieurs domaines. Le rapatriement des réfugiés, la sécurisation des frontières communes, l'ouverture de la ligne aérienne entre les deux pays et plusieurs autres questions seront évoquées. Nos experts concernés par cette rencontre importante vont s'atteler à analyser avec objectivité tous ces aspects de la coopération qui existent entre nos deux pays dans le seul but d'apporter la paix et le développement durable entre nos peuples frères. Des recommandations et propositions qui seront émises par nous les experts, ainsi qu'une feuille de route relative, contribueront certainement au renforcement de la coopération dans plusieurs secteurs d'intérêt commun, en commençant prioritairement par ceux dont les accords ont été signés lors de la visite de juillet 2021, les domaines de la paix, de la sécurité, commerce, transport, santé, agriculture, énergie, mines, éducation, jeunesse et j'en passe, seront analysés avec une attention particulière. Signalons que la dernière rencontre du genre entre la République démocratique du Congo et le Burundi date de 1988 au Burundi. Cette rencontre de Kinshasa, qui s'organise 33 ans après, intervient au lendemain de la rencontre des deux chefs d'État en juillet 2021.